partout, amis de tout horizon, je vous salue au nom de Jésus, lui qui vit et règne, dès avant l'histoire, dans l'histoire et au-delà de l'histoire. Nous sommes contents d'être ensemble avec vous de loin, bien sûr, dans le cadre de cette belle émission en vue de vous transmettre la parole de l'Éternel. Nous allons remettre la paternité de l'émission à l'Éternel, notre Dieu, là où vous êtes, prenez une attitude révérencieuse. Notre Père, notre Dieu, à ton donne gloire, à cause de ta bonté, ta miséricorde à notre endroit. Merci Seigneur pour la mi-journée passée à l'ombre de tes ailes. Merci pour les anges que tu as mis à notre disposition pour nous garder, pour nous préserver contre les assauts de l'ennemi. Nous sommes à tes pieds, nous voulons donc remettre les super branchés de l'émission entre tes mains. Tu voudras les garder, les guider, les aider à comprendre ta parole. Donne-nous ton esprit pour que nous puissions comprendre et transmettre ta parole. Accepte que nous bénissons. Reste avec nous. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. En fait, mesdames, messieurs, son plaisir pour nous ensemble, pour nous saluer les mordus de l'émission, pour nous saluer et toujours nous lancer l'émission, hein, puisque c'est des gens qui décidaient pour nous capables de faire route ensemble. Dans ce sens-là, nous allons saluer les mordus de l'émission d'abord. Pour être capable de saluer ma chère moitié, madame Dieudonne Dossou, qui nous écoute à coup sûr. Nous voulons donc saluer notre ami Dossou Lionel et son père Dossou Runel. Son plaisir pour être capable de saluer. Et nous voulons saluer Franck Dossou qui nous écoute. Et la sœur Geneviève Gabrielle, qui a écouté nous, la sœur Hildana Baptiste, et nous voulons saluer et Brilus, ses amis, M. Gondol, qui a écouté nous à coup sûr, la sœur Mirantil Brigitte, qui nous écoute, la sœur Lornise Cantave, la sœur Chérisa Nadine, Capoutine, Maître Fanor Jean-Gardi, et M. Renaud Cantave, Dalia Dossou, Maître Dasma Admir, Jovency Jovenska, la sœur Podilus, qui nous écoute à coup sûr. Nous voulons saluer la sœur Gracieuse et Madame Monique Bayard, Maître Raymond Bayard, M. Gary, Pasteur Gabriel Maxino, Pasteur Bertin Maxino, le chef du district de Terriro, la sœur Danise, Pasteur Saint-Paul et Gondol, et sœur Félix des Hommes, pour les plus intimes, sœur Anne, qui a coûté ma couture. Nous les saluons, inspectrice Jacqueline et Justement Wilfried, Nelson Norelien. Nous les saluons, Nelson Norelien. Nous les saluons, en fait, mesdames, messieurs, Bruce Whitner, qui a nous les saluons également, Bruce Whitner, qui nous écoute à coup sûr. Nous voulons saluer en fait Edmond Deméus, Capoutinou, et la sœur Leda Degage, Marie-Michel, Capoutinou, sœur Anne-Félix, Charlina Charles-Saint et Allier,
et Maître Ilfritz, mon premier, Maître Abel Lévon, Antoine Pierre et Madame Monique Maxino Bayard, Monsieur Raymond Bayard, Idalia Dosso, Anisette Ferdinand, Germain Natia, qui nous écoute à coup sûr, c'est Moussaïo, c'est Franz, Inconditionnel Émission, je salue Donaï, et c'est Tony Julien, du bonjour, Prévillus Duguay, Maître Belméus Andy, et Maître Job, Maître Urbain Prestal, qui nous écoute à coup sûr. Nous voulons saluer en fait Madame Messier et Pasteur Henri-Claude, Augustin, la sœur Augustin Léon. Nous voulons saluer la sœur Adrienne Paula et Allié. Donc nous voulons saluer Madame Messier et Pasteur Bertin, le chef du district de Terre Rouge, qui nous écoute à coup sûr. Nous voulons saluer, en fait, mesdames, messieurs, Monsieur Octave Renaud, qui nous écoute à coup sûr. Nous voulons saluer également les frères et sœurs qui écoutent nous partout, qui écoutent nous à Chili, qui écoutent nous en République Dominicaine, qui écoutent nous au Brésil, qui écoutent nous au Mexique, en France, un peu partout. Donc, nous prenons plaisir à saluer tous les super branchés de l'émission, tous les amis émission. Donc, nous saluer dans le moment si là. Alors que nous étendons notre publicité. Et nous entendez la parole de l'Éternel. Thank you.
Percy, c'est Bruce. Donc, notre Saturne pour capable saluer toutes les amies d'émission. Donc, notre Saturne, c'est pour saluer toutes les amies d'émission. Tout le monde qui remène l'émission. Notre Saturne, c'est pour saluer nous spécifiquement. Et Bruce Whitner, Nelson Norien, William Carousel. Notre Saturne pour saluer toutes les amies d'émission. Mesdames, Messieurs, amis des hommes, amis de partout, une fois de plus, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Nous sommes contents d'être ensemble avec vous dans le cadre de l'émission baptisée La Voix de la Prophétie, laquelle émission conçue pour vous aider à mieux détecter les trucs de l'ennemi, pour vous aider à mieux meubler votre connaissance dans le domaine de la parole de Dieu, le domaine prophétique. Et aujourd'hui, nous allons nous tabler sur un autre sujet. Maintenant, ce que j'ai étudié pendant toute période, ça, c'est les sept coups de la colère de Dieu. Et chaque jour, nous gagnons des missions, nous prenons une facette dans l'émission, dans sept coups de la colère de Dieu. Les sept coups de la colère de Dieu. Donc, chaque jour, nous prenons une facette la donnée. Et je vous dis, la poursuivre, nous voyons le résultat, sortez du milieu d'elle. Sortez du milieu d'elle, c'est ce message aujourd'hui. Mais en fait, mesdames, messieurs, ça qui est clair, utile, que nous chaque deux connaissons, les sept coupes de la colère de Dieu, coupe scénario, c'est bagaille cap gain pour arriver maintenant, mais principalement, c'est pendant le temps de trouble, pendant le temps de détresse. Alors, depuis ça qui fait passé avec Jacob, eh bien, le temps de trouble de Jacob est devenu une histoire légendaire dans la Bible. Par conséquent, les sept coupes de la colère de Dieu est très utile. Et bien, de parler de cette coupe de la colère de Dieu, il occupait une place très importante, eh bien, dans ça concernait la vie chrétienne. Et par conséquent, il est utile pour nous chaque gagner une solide information de ça qui gagne, qui prend arriver dans le monde là, qui ça que nous devons faire, qui précaution nous devons prendre, eh bien, pour vivre nous capables de marcher, pour vivre nous capables en harmonie avec le Seigneur, comment nous devons préparer la vie nous. En fait, mesdames, messieurs, sortez du milieu d'elle. C'est le titre du message d'aujourd'hui. Sortez du milieu d'elle. C'est pourquoi la parole d'en haut se fait tout à coup actuelle. Dans une parenthèse qui tranche avec l'ensemble du récit, lance en éclair un appel à tous les hommes et à toutes les femmes. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, Apocalypse 18, le verset 4. Sortez du milieu
fidèle, mon peuple. La phrase est empruntée au prophète Jérémie. Elle visait à l'époque les Israélites exilés à Babylone pour les presser de fuir la cité. Jérémie 51, verset 45. Les raisons données alors ne concernaient pas seulement le futur. Pour échapper à la colère de Dieu, permettre le retour au pays. Jérémie 50, verset 9. Elle s'appliquait également au présent pour se protéger de l'influence néfaste et corruptrice de l'idolâtrie. Jérémie, chapitre 51, verset 47, également 62. Le même appel avait retenti à plusieurs reprises au cours de l'histoire d'Israël. Abraham l'avait entendu à Ur, en Chaldée, Genèse 12, le verset 1er. Lot à Sodome, Genèse 19, le verset 12. Les Israélites en Égypte, Exode 12, verset 31. Dans le Nouveau Testament, les chrétiens sont tout autant interpellés. 2 Corinthiens 6, 14, Éphésiens 5, verset 11. 1 Timothée 5, 21. C'est toujours le même message de déracinement, d'aventure vers de nouveaux horizons. Mesdames, messieurs, sortez du milieu d'elle. C'est un cri d'alarme. C'est pas un temps pas nous. Donc Jésus, principalement, non. Matthieu, chapitre 24, un chapitre qui vient là dans deux grandes parties, deux grands événements, qui gagnent la destruction de Jérusalem et les circonstances de son retour. Question était posée à Jésus, l'un des disciples en disait, « Maître, dis-nous, quand cela arrivera-t-il, quel sera le signe qui indiquera le moment de ta venue ?» Jésus se fondit en le même tableau, la destruction de Jérusalem et les circonstances de son retour. Mesdames, messieurs, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Appel, ça t'est lancé au peuple d'Israël à Gozen. Appel, ça t'est lancé au peuple d'Israël à Gozen. Appel, ça a lancé à Lot qui t'a vive à Sodome et de Gomorre. Appel à lancer pour sortir parce que l'Éternel pourra le rencontrer avec les sodomites et les gens qui t'a vu dans Gomorrah. L'Éternel pourra le rencontrer avec eux. Appel à lancer pour capable sortir. Appel à lancer à nous d'aujourd'hui. Appel à lancer à nous-mêmes aujourd'hui pour nous sortir dans le temps. Parce que le roi des rois, le seigneur des seigneurs, prend le jeu et on coûte à rebours. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, eh bien, la bien poule capable de retourner sur la terre. Et cette fois-ci, mesdames, messieurs, appel à lancer pour tout le monde qui conséquent à Ketio, capable de quitter Babylone, pour Babylone, pas forcément, mesdames, messieurs, en grande partie, dans le bar de Babylone, il écrit. Non, Apocalypse chapitre 17, il parlait de la femme écarlate qui gagnait tout type de couleurs, c'est-à-dire les mêmes qui symbole représentait Babylone, qui est toute bagaille qui pas bon la donner. Non, Apocalypse, puisque Bible lit en fait illustré l'église, il parlait de deux femmes, la femme d'Apocalypse 12 qui était nourrie dans le désert pendant un temps, des temps et la moitié de temps. C'est-à-dire, c'est la femme qui était souffrie dans le désert, mais qui symbolisait l'église, et l'autre femme, et la femme d'écarlate, qui a donné toute bagaille la donne. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, c'est un appel. C'est un appel. Appel, ça lui retentit à plusieurs reprises au cours de l'histoire d'Israël. Et mesdames, messieurs, c'est un cri d'alarme. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Le cri du ciel qui résonne ici sur la place de Babylone est gonflé de la même inquiétude,
de la même supplication de Dieu. Il n'est bien sûr pas question de quitter les lieux et d'aller émigrer ailleurs. Mesdames, messieurs, depuis la chute de la Babylone historique, l'appel de sortir de Babylone les plus nécessairement accompagné d'éménagement et de billets d'avion. Babylone est partout. C'est bien sûr, nous l'avons vu, l'institution religieuse qui a marqué de son empreinte des générations de chrétiens. Mais ce n'est pas parce qu'on serait sorti de l'église catholique qu'on est pour autant sorti de Babylone. Babylone, c'est au-delà de ses murs. Babylone, c'est au-delà de ses murs. Toute une mentalité, tout un bagage d'habitudes, d'erreurs qui se sont transmises et ont été héritées dans les milieux religieux les plus divers. Sortir de Babylone signifie cesser de faire de l'église la porte de Dieu, Babel. Mesdames, messieurs, sortir de Babylone signifie cesser de faire de l'église la porte de Dieu, Babel. De remplacer Dieu par l'organisation ecclésiastique et de supplanter la foi par les négociations politiques. Sortir de Babylone, en fait, mesdames, messieurs, c'est cesser de faire l'église la porte de Dieu, qui c'est Babel, la porte des cieux. Babel, Bab-Ilou, l'emblème de l'infidélité contre eux, le vrai Dieu. Sortir de Babylone, c'est du même coup se débarrasser de tous ces préjugés qui ont accompagné cette mentalité impartialiste et orgueilleuse. C'est par exemple se guérir de l'antisémitisme. Sortir de Babylone, c'est pour le chrétien se souvenir de ses racines juives. Sortir de Babylone, c'est pour le chrétien se souvenir de ses racines juives. Comment aurait été la situation, disons, mesdames, messieurs, les bons vieux temps ont disparu. Les bons vieux temps ont disparu. Par tout côté de passé, je dis, mais Babylone en lui-même, la prend pied, les mauvais comportements, les mauvaises habitudes, pour ajouter à cela des gens qui prennent la place de Dieu. Ce sont les usurpateurs, des gens qui prennent la place de Dieu. C'est Yokubaï gloire. Sortir de Babylone, c'est avoir le courage de remettre en question ses idées reçues et ses traditions. Sortir de Babylone, c'est avoir le courage de remettre en question ses idées reçues et ses traditions. C'est être capable de s'ouvrir à la vérité d'en haut, même si elle se heurte au pli d'en bas. C'est courir le risque de croire à autre chose que ce qu'on a reçu. Sortir de Babylone, mesdames, messieurs, c'est donc tout un programme de conversion. L'enjeu est grave, car il en va de notre survie. Sortir de Babylone s'impose comme la seule issue possible pour échapper au massacre. Sortir de Babylone, mesdames, messieurs, s'impose comme la seule issue possible pour échapper au massacre, mais aussi pour redécouvrir sa propre identité au pays de la promesse. Sortir de Babylone, mesdames, messieurs, c'est mener une autre forme de vie. Sortir de Babylone, c'est consacrer vivre à Dieu, oublier le passé. Sortir de Babylone, c'est quitter bon Dieu, faire route avec eux, quitter tout mauvais comportement. Yo. C'est un autre qui est très délicat. Sortir de Babylone. Sortir de Babylone, c'est donc tout un programme de conversion. L'enjeu est grave, car il en va de notre survie.
Sortir de Babylone s'impose comme la seule issue possible pour échapper au massacre, mais aussi pour redécouvrir sa propre identité au pays de la promesse. C'est un appel à l'espérance qui est ici lancé dans les rues, même de Babylone, alors que la ville vibre encore de toutes ses fibres. Un appel qui nous concerne tous, pas en petite catégorie, mesdames, messieurs. Il y a un appel qui concernait tout le monde qui a vécu, qui espérait. Il y a un appel qui concernait tout le monde qui a vécu, qui espérait pour capable bien le salut. Yon appel, mesdames, messieurs, qui concernait tout le monde qui a vivre pour permettre à ce que un jour, yon capable de vivre dans l'au-delà. Yon appel qui concernait tout le monde qui a vivre maintenant sur la terre, qui gagne espoir pour y vivre dans l'au-delà. Sortir de Babylone. Sortir de Babylone, c'est un appel à l'espérance qui est ici lancé dans les rues, même de Babylone. Alors que la ville vibre encore de toutes ses fibres, un appel qui nous concerne tous. Les traits de caractère, les mauvais comportements, modèles de vie que souvent nous menons. Ça, vous, mesdames, messieurs, l'éviter pour nous capables d'abandonner yo complètement pour nous embrasser la vérité telle qu'elle. Embrasser la vérité telle qu'elle, c'est vivre à la manière de Jésus quand il était sur terre. Embrasser la vérité telle qu'elle, vivre à la manière de Jésus quand il était sur terre. C'est Marc qui dit ça. Marc raconte simplement l'histoire. Il est nettement appelé Jésus. Voici ce qu'il a fait. Jésus se contentait d'aller partout annoncer la bonne nouvelle. Mesdames, messieurs, moi-même avec vous, nous convier, nous inviter pour mener la vie nous droite avec le Seigneur. Nous invitons, mesdames, messieurs, pour nous faire ça, bon Dieu, demander pour nous faire. Ce n'est pas ça l'idée nous voulons. Ce n'est pas ça qui est bon pour nous. Mais c'est faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu consiste à garder sa parole. Deuil de Babylone. Deuil de Babylone. Comme pour convaincre encore plus, la voix du ciel poursuit son argument. En dissipant toute illusion à propos de l'avenir. Après la chute de Babylone, la terre est alors tout entière en deuil. Après la chute de Babylone, la terre est alors tout entière en deuil. Apocalypse 18, versets 9 à 18. La période post-babylonienne n'est pas plus heureuse. Les rois de la terre, Apocalypse 18, verset 9, les marchands de la terre, tous les marins, tous ceux qui ont profité de sa richesse, de son influence, pleurent sur tout ce qu'ils ont perdu. Le pire, c'est qu'ils sont eux-mêmes à l'origine de la chute de Babylone. Ce sont eux qu'il avait jetés au feu. Apocalypse 17, verset 16, comme un enfant gâté, capricieux, qui réclame son jouet après l'avoir cassé, les amants de Babel trépignent en vain. Ce comportement irrationnel n'en est pas moins vraisemblable. Les habitants de la terre n'ont plus d'autre réflexe que celui de continuer à adorer Babylone en dépit de son absence. Leurs lamentations ont gardé le caractère adorateur d'autrefois. L'exclamation « Quelle ville était semblable à la grande ville ?» Apocalypse 18, verset 18, reprend l'ancienne formule de l'adoration de la bête, qui est semblable à la bête. Apocalypse 13, 14, Apocalypse 13, verset 4. Et là, mesdames, messieurs, nous sommes capables de comprendre les calqués de, sur le qui est comme Dieu, des anciens Israélites en adoration devant Dieu. Mesdames, messieurs, il est utile à moi-même et à vous-même pour nous gagner yeux nous rivés sur Jésus. Parce que ça qui a parlé là,
c'est pas bagay qui fait déjà, oui. Ça n'a pas les la sortir de Babylone ou bien sortir de Babylone, ou bien sortir au milieu d'elle. C'est pas ça qui fait déjà des choses à venir. Des choses à venir. D'une part, mais d'autre part, c'est bagay qui pourra le fait. Mais si événement malheureux, événement fâcheux, yo annoncé, yo invité moi-même avec vous pour être capable de prendre position pour la vérité. Prendre position pour la vérité consiste à garder la parole de l'Éternel. Prendre position pour la vérité, l'invite nous pour être capable de gagner une vie qui, eh bien, semblait, qui copiait sur Jésus. Mesdames, Messieurs, il s'agit là d'un deuil tout à fait extraordinaire que le nom d'Armageddon annonçait déjà. Un deuil sur un deuil comme celui d'Adad Rimmon, avec une différence cependant. Ce Dieu pleuré n'est pas de la même nature que celui des religions cananéennes de fertilité. Ce Dieu ne suit pas le mouvement des saisons. Il ne ressuscitera pas au printemps, contrairement aux lamentations funéraires traditionnelles. Celle-ci ne contient aucune révolte ni aucune consolation. Cette histoire se termine tragiquement et sans espoir pour bien le signifier. La chute de la grande Babylone est jouée dramatiquement par un ange mime qui jette une grande meule à la mer en disant: « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville. On ne la retrouvera plus. » Apocalypse 18, le verset 21. Le prophète Jérémie avait eu le même geste pour symboliser la chute de Babylone historique. Et là, mesdames, messieurs, c'est totalement impossible pour capable expliquer l'événement qu'il fond sous la terre avant le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est totalement difficile pour nous capable expliquer l'événement fâcheux, événement douloureux, événement fatidique qui prend le fond sur la terre avant le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En fait, mesdames, messieurs, c'est difficile pour nous capables de comprendre, c'est difficile pour nous capables d'expliquer ce qui va arriver à la terre. Comme prend gagner événement fâcheux, comme prend gagner événement douloureux qui prend le fond sur la terre, et bien bon Dieu lui-même, à travers le prophète et le prophète de Patmos, ou du moins à travers Jean, eh bien, qui tape vivre à Patmos, lui lance un appel. Un appel suppléant à tous les habitants de la terre. Ce n'est pas à un petit groupe de chrétiens. Un appel qui lance sans précédent. Un appel qui lance, mesdames, messieurs, à tous les habitants de la terre pour capable quitter Babylone avec ses fracas. Quitter Babylone avec douleur, lit. Quitter Babylone avec tout ça que la donne. Quitter Babylone, c'est ranger vie avec bon Dieu. Quitter Babylone, c'est prendre décision pour capable marcher sur la vérité. Quitter Babylone, c'est prendre décision pour dire bon Dieu, guider, orienter dans le droit chemin, conduire dans le droit chemin. Mesdames, Messieurs, pour ajouter à tout ça, en Deutéronome 24, verset 6, parler de la meule, et même qu'il était nécessaire que la loi de Moïse avait interdit qu'on la prenne pour gage, car ce serait prendre pour gage la vie même. S'ajoute à cela le fait que la grande meule est autrement plus lourde que la pierre. Il fallait un cheval ou un âne pour la tourner. En l'occurrence, on a besoin d'un ange puissant. Apocalypse 18, verset 21. La grande meule s'enfonce donc d'autant plus sûrement dans les eaux. L'ange commente même que c'est avec violence que la meule est précipitée. Notons d'autre part que c'est la mer et non pas une simple rivière qui la reçoit. Tous ces détails convergent pour souligner le caractère définitif de la chute de Babylone. Le deuil sur Babylone est absolu.
Le deuil sur Babylone est absolu. C'est cela même la consolation, car il n'y a plus rien à craindre, plus de récidive en perspective. Mesdames, messieurs, l'utile, l'important, pour ne pas ranger vie nous, bon côté bon Dieu, ranger vie nous, pour nous gagner une relation intime. Relation intime avec bon Dieu, pas de dire que, a dit, Babylone, c'est tout ça pas bon, ajouter un système qui représentait dans Apocalypse 17, quand il parlait de la femme écarlate, qui a toute couleur, qui maquillait, qui a toute bagaille là-dedans, qui symbolisait, qui représentait Babylone en particulier. Et Babylone, c'est toute bagaille qui pas bon, qui en fait pas en harmonie avec la volonté de Dieu. Nous appelons à abandonner, nous appelons pour nous faire fidèles, nous appelons pour nous mener une vie saine. Il y a une vie qui trempe la parole bon Dieu. Il y a une vie côté que c'est bon Dieu qui a orienté, qui a guidé, côté que lui-même nous met comme boussole. Pour nous capables de garder la parole de Dieu, garder la loi de Dieu comme guide, comme boussole, pour orienter nous dans le droit chemin. Et là, ça, mesdames, messieurs, nous avons gagné une meilleure préparation. Une préparation qui a aidé nous pour nous capables de rater le retour de Jésus. Mais quand les jours mauvais arrivent, mesdames, messieurs, les jours arrivent où nos frères et sœurs ont dû passer du chemin de l'ombre. Les jours arrivent où nos frères et sœurs ont dû passer du chemin de l'ombre. Ce que nous pouvons vous dire, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Souvent, nous nous inquiétons pour beaucoup de choses. Nous ne savons pas ce que demain nous réserve. La parole de Dieu prend le temps à nous dire ce que nous devons faire quand les jours sont sombres dans notre vie. Il faut dire cela à l'éternel, notre Dieu. Mesdames, messieurs, prends temps pour nous ranger, vis-nous. Prends temps pour nous capables raccommoder nous avec mon Dieu et suivre les préceptes de Jésus. Prends temps, mesdames, messieurs, pour nous quitter parole, bon Dieu, guidez-nous comme boussole. Et si nous étions la parole de Dieu avec soin, nous appliquons dans vie, nous, très bientôt, nous sommes capables de préparer pour nous aller vivre dans le palais du roi des rois. Il ne faut pas gagner l'obligation, pas gagner l'orage, pas gagner l'inondation, pas gagner cri d'alarme, pour ne pas faire l'autre. Et nous pourrons vivre heureux avec Jésus pour le temps de l'éternité. Que l'Éternel vous bénisse. Mesdames, messieurs, amis de partout, amis des ondes, c'est un plaisir pour ceux qui ont été avec nous. L'heure est venue où nous devons prendre congé de vous. Nous vous donnons rendez-vous à dimanche si Dieu le veut. À compter de 2h30 pour une émission pareille. Entre-temps, prenez une attitude révérencieuse. Nous allons donc prier le Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, une fois de plus, nous te rendons gloire à cause de ta bonté, ta miséricorde envers nous. Merci Seigneur, pour ce bout de temps, ça vous te permet de nous mettre à part. Dans le but pour nous être capables d'étudier ta sainte parole. Commandez-nous, Seigneur, pour nous être capables de sortir de Babylone, abandonner Babylone avec ses cortèges de peine, de douleur, abandonner Babylone, c'est toute bagaille qui part bon, yo, pour nous être capables de redresser nous et fixer le regard nous vers nous-mêmes. De grâce, Seigneur. Souvent, nous avons pris des décisions de fils d'araignée qui peuvent être brisées, qui peuvent être cassées. On a demandé au Père éternel, dans ta bonté infinie, dans ta grâce infinie, aide-nous Seigneur pour nous prendre de bonnes décisions pour nous marcher avec vous. On a demandé dans notre Père des cieux capable de bénir les super branchés. On voulait vous remettre d'abord entre tes bras, ma chère moitié, Madame Dieu, donne-nous qui nous écoute.
Ô Dieu puissant, tu pourras prendre soin de lui et de la paire des cieux à faire de toi ton meilleur ami. Bénis la sœur Mimose qui ne se porte pas à l'aise. Seigneur de grâce, en qualité de médecin, en qualité de protecteur, le Dieu de Jacob, le Dieu qui pardonne, intervient, éternel Rosier, dans la vie sœur Mimose, intervient dans la vie sœur Roseline, avec ses difficultés, aidez le Père éternel, aux yeux capables de braquer sur même. Béni dans nos Père céleste, tous les super branchés, Nelson, entre tes bras, veuille bénir Nelson, bénir Bruce Whitner. Les besoins dans la ville, Père éternel, accompagnez-vous. Béni dans nos Père, tous les super branchés de l'émission. Ça a foutu nous un peu partout, qu'a foutu nous en Haïti, République Dominicaine, Capitaine Chili, Brésil, Capitaine Mexique, Guyane, un peu partout dans le monde, éternel, notre Père bien-aimé, Pénio. Dis donc un mot à l'endroit de Jovenci et Jovenska. Accompagne au Père éternel. Aide-nous, Seigneur, pour nous faire nous-mêmes meilleure route, nous boussole, pour nous capables d'appliquer ta parole dans notre vie. Bénis-nous, Père éternel. Accompagne-nous. Fais-nous sentir présence, nous. Demeurez au milieu de nous. Par les mérites et fin de Jésus, ton Fils bien-aimé, bénis-nous, reste avec nous. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen.